J'ai eu de la difficulté à sortir du lit. Je mets la chemise rouge ou la chemise bleue? Ah, peu importe. Droite, gauche, on tourne. Ah, ça me rend malade, ce plan. Finalement, Sophie m'a déposé sur le Mont-Royal. Bon spectacle! Il y avait une sorte de tribu qui jouait du tam-tam. Étrange, non? J'ai marché au centre-ville. Et j'avais l'impression d'être tout petit au milieu de ces géants. Ensuite, je suis descendu dans un métro. C'est vraiment incroyable, toute cette ville souterraine. Prochaine station, McGill. Ah, merde! J'étais à la bonne place. Bon, je crois que je vais marcher. En sortant du wagon, j'ai essayé de demander mon chemin aux personnes qui m'entouraient, mais elles étaient déjà trop loin. Je me suis donc retrouvé sur l'université et je me suis mis à marcher jusqu'à Jeanne Mance. J'ai compris que j'étais au bon endroit quand j'ai vu toute cette foule s'animer. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. C'est hot, le festival de jazz. Y a-t-il un autre endroit où je pourrais voir Lou Reed en plein air? En retournant chez Sophie, j'ai croisé plein de personnes d'ethnies différentes, vivant en harmonie. Et c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Il fallait que je retourne chez moi, que je fasse mes valises et que j'emménage à Montréal, parce que c'est à cette ville que j'appartiens vraiment.